C'est parti. Deux personnes. Bon. En professionnel. Il y a une maison pour deux personnes. Est-ce que en passant à trois, c'est genre trop facile? Moi, c'est la première fois que j'en fais une. Ça dépend du fantôme, peut-être. Il fait déjà pas chaud là dans le salon, non? Ouais, c'est ça. 12 heures. En rentrant. Et ça dépend, ça dépend. Ah, 11? Ouais. 11 dans la. 11, où ça? Bah ici là, dans l'entrée. Ah bah c'est l'entrée. C'est le fantôme de l'entrée de la maison. Genre Le fameux fantôme du tapis bleu. L'entrée ou... attends. Bah écoute, j'ai 9 là. Ouais, moi aussi. Bah c'est ici. Ok, let's go. Bon. Bah voilà. Ah, ils avaient qu'à nous rapporter directement le tapis hein, au garage. On l'aurait broché, on l'aurait lavé et tout, ça s'en serait occupé quoi. Oh, attends, je vais regarder s'il n'y a pas la Banshee quand même. Enfin, le Ouija, pardon. Ah, le mec, yeah, genre, c'est pas la Banshee. Une fixette sur les Banshees, hein, c'est pas possible. Bon. Ouais. J'ai plus de place, je vais prendre des photos. Franchement, j'ai pas. Non, mais ça va assez vite en fait. Hein. Y'a le meuf qui se met en route, ça je vois. Ça va super vite, hein. Il y a 3. Mais après, on est dans. Mais il nous envoie la vaisselle à la figure. Il t'envoie la vaisselle sur toi. C'était quoi ça? Écrit dans c'est le livre. Énervé, là. Écrit dans le livre. Oh, mais le fantôme de l'encadrement de la porte. Le fantôme Ikea. C'est celui qui. En fait, c'est un fantôme qui a toujours possédé seulement les. Tu sais, les espaces Ikea qui donnent. Une vision d'un appartement et c'est juste une pièce et c'est censé te donner l'impression de ce à quoi ressemble l'appartement ou la maison. Par contre, faudrait éteindre les lumières s'il vous plaît si vous voulez voir les orbes. M'en occupe. Merci. J'ai l'impression que c'est tout éteint là, non? Oui. Le 60, ravé. Ok, merci. Il est passé dans les escaliers. Tellement pas content, tellement. Oh lolo. Tellement pas content. Ok. Quand même assez impressionnant comment il. Vous m'entendez? Non. J'ai l'impression qu'il a écrit dans le livre, non? Écrit Live or Die. Live or Die, ça te parle ou pas? Ouais, c'est une petite, un petit village hein, qui fait aussi Bar de Provence.
je l'ai vu passer, c'était la première fois qu'à travers la caméra, je voyais un fantôme. Il est monté les escaliers, il est redescendu, il est resté sur le tapis. Il ressemblait à quoi ? Il nous faut une spirit box ou une orbe. Très beau jeune homme. Non. Non, il ressemblait à un homme avec une hache. Orbe. Attends. Non, non. On a une orbe, c'est pas... là, c'est... Non, non, c'est... non, non, c'est température glaciale que je viens de voir. Ah, ok, non, mais il nous faut une spirit box ou une orbe pour confirmer. Jamais la spirit box. On a une caméra de se placer ou pas ? Oui, oui, tout à fait. Ah, ok, donc ok. Je m'en suis occupé. Personnellement. Très bien. Donc, du coup, c'est un démon ou un yurei ? Que du bonheur. Parle. Parle, mais sur le tapis. Allô ? S'il te plaît, dis quelque chose. Parle. Est-ce qu'on doit s'approcher ? Dis quelque chose. Exprime-toi. Apparais. Donne un signe. Donne un signe. Est-ce que tu es méchant ? Est-ce que tu veux tuer plutôt Ravé, Charcot ou l'un des deux ? C'est gentil. Je vais voir les orbes, ça a l'air très, d'être un peu trop précis. Ouais, 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 tu voulais voir les orbes, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais on n'a pas besoin des orbes. On n'a pas dit orbe ou spirit box ? C'est ce que t'as dit, hein. Si, si, pardon. Mais si, bah, pardon. Merci. Excusez-moi. Tu sais que t'as pas besoin de demander des excuses. Oh bah si. Mais 5000 dollars suffira. Attention, derrière toi. Ah, tu m'entends pas. Je crois que Charcot s'est attaqué. J'ai entendu sa théorie. C'est même pas ce qui se passe. J'ai déjà vécu cette scène, hein. Sachez-le. Eh ben, c'est pas agréable selon où on se trouve. Oh. Et on dirait que c'est l'ombre projetée de l'esprit, du fantôme là, qui attend devant la porte. Je pense que s'il l'avait eu... Ah. Cachez votre... D'accord. T'as vu, j'y arrive. Orbe, c'est rien pour l'instant. Orbe, c'est rien. Peut-être qu'il faudrait mettre une caméra. Ah, peut-être qu'il faudrait mettre une autre caméra. J'ai amené une deuxième caméra. Alors, 2 secondes. Ravé, 30%. Charcot, 15%. Maillard, 80%. Charcot, faudrait que tu prennes une pilule. Charcot, faudrait que tu prennes une pilule. Spiritbox, il a parlé. C'est vrai ? Oh ! Oh, bien joué ça ! Alors, moi, j'aurais pas aimé à ta place, Charcot, ce que t'as dit, mais. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit encore ? On a dit pas les mamans et pourtant tu sais. Il a parlé dans la spirit box. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un démon. Elle est forte hein Charcot. Elle est forte Charcot quand même. Hein. Elle,
Allez, super. Ah bah disons qu'heureusement que je suis là pour rester avec le fantôme quand il faut lui parler, hein. Et je trouve que c'était. Mais on a, moi j'ai jamais douté de toi. Moi j'ai jamais douté de toi. Moi non plus. Bernard lui il a douté de toi. Si 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 un petit peu quand même. J'ai tellement trouvé ça beau. Aucun de nous ne t'arrive à la cheville, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, si tu veux, tu peux mettre l'encens et tout, Charcot, et c'est nickel après, quoi. Ouais, pas de soucis, allez, j'y vais. Hein. Non. Non, c'était le Spirit Box. Spirit Box. Allez, tenez, je vais vous prendre en photo, voilà, pour la postérité. Hop. Démon, c'est ça, hein. Démon, c'est ça. Allez, on va mettre l'encens, puisque ces messieurs sont... Trop lâches pour mettre l'encens. Quoi, trop lâches? Ouais. Mais Renard, il va y aller, hein. Bah, mais bien sûr. Bah, il va mettre le capteur. Arrête de me retenir. Arrête de me retenir. Arrête de me retenir, Gisèle. Mais je retiens Bernard, Sarko, je retiens. Il arrête. Arrête, je veux y aller, je veux y aller. Arrête. Comment ça, il lâche? Lâche-moi tout de suite. Et je te jure que si tu me retiens plus, je te jure que je vais y aller. Non, arrête, Bernard. Ça, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas. Laisse-la faire, elle est professionnelle. Laisse-la faire. Mais on ne peut pas l'abandonner. Les gars, non, les gars, l'encens il est bugué, je peux pas l'allumer. Ah. Bon. Il va falloir vous dévouer. D'accord. Pourquoi? Ah, il est bugué, oh, mais tellement mytho. Mais non, mais bugué. Tiens. Attrape. Tiens. Ah. C'est très obscur. Et le capteur de mouvement, vous en avez pris, hein? Bah moi je voulais en prendre un, mais... Bien sûr que non, bien sûr que pas. Oui, non, non, mais en fait non. Mais c'est pas vrai, hein? Oh, t'as fait... Comment ça, mais mon loup, côté sur toi? C'est toi là? Oh là, ah là là, ah là 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 là. Comment ça? Vous avez fini un peu, non? Bernard, te cache pas, oh, c'était une blague. Il est dans le salon. Comment ça, mais pourquoi tu fais quoi? Mais non, mais c'est mytho, mais encore une fois, c'est... Oh, quelle espèce de mytho. Oh, attention. Quel mytho, bande de... Mytho. Bernard, ça va? Bah super, ouais. Il s'en va. Je m'en vais. Conduire le camion tout seul. Au revoir, Bernard. Prenez le bus. Allez, ciao. Je déteste. L'un de vous deux, plus que l'autre. C'est elle, Bernard. Non, c'est elle. J'ai vu, elle a fermé la porte, c'était vraiment pas cool. Non, c'est elle, j'ai tout vu, Bernard. Non, tu me fais confiance. Ah oui, bien sûr. Je tu sais, Gisèle ne ferait jamais ça. Non, mais moi, je sais que c'était un chien, je le sais. Non, moi je suis entre vous deux là, je retiens Bernard et tout. Non, franchement, vous êtes insupportable, Charcot, tiens, brûle, créature de l'enfer. Je brûle. Waouh, très important, très impressionnant, très. Vas-y, démarre. Non, franchement, là, on est digne de Hollywood là. Franchement, là, tu. Ouais, je trouve qu'on joue bien quand même, ça va. Ouais, je pense que c'est plutôt Hollywood qui, en travaillant bien. Serait digne de nous, mais c'est pas grave. Et du coup, on n'a pas de capteur de mouvement. Non. Non, parce que tu l'as oublié. Non, mais c'est toi qui l'avais. Non, non, tu l'as oublié, t'as dit... Bagarre. Bagarre de l'enfer. Oh mon dieu, ce bruit de l'enfer. Non, c'est pas possible. À l'enfer, c'est la lampe. Démon, c'est ça, hein. Démon, c'est ça, hein. Oui. C'est ça, hein. Démon, c'est bon. Ok, je démarre. Ouais, c'est ça. Roule, Marcel. Attends. Bernard. Il a gonflé toutes pas les pilules. Bien. Je me sens Bernard, maintenant, on va essayer de bouffer les pilules. Je me sens pas bien. Il plane, ça y est. Ouais, je suis... Gisèle. Je suis mort comme un caca. Bernard et Bernard. Non, moi, je serais bien cas. Qui a éteint? Qui a éteint? Ah, c'est pas nous. Oh crapaud.
sens. Hein. J'ai senti un 12. Vous m'entendez? Oui. J'entends pas. D'accord. Bon, je remets le disjoncteur. C'était pour voir si vous suiviez. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on lance Street Fighter? Ah, Street Fighter, moi j'ai déjà lancé, je vous attends là. Ah, d'accord. Vers 9. Ah, 9. Température 9. Le fantôme est en haut des escaliers aux salles de bain. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est ici, il est ici. Bah, il est ici. Le MF. Lâché comme un sac. Le MF, il est monté à combien? Deux. Il est monté à deux. Je vais à pleine balle à la sortie. Ça vaut le coup de prendre ça en photo. Bah donc, vous avez suriné là. Franchement, on dirait trop des squatteurs qui font, c'est qui ont vraiment tout pris. Hein. Ok. On est 70% tout le monde. Santé mentale. Ça va. Je vais aller, c'est pas le Ouija dans le grenier. Ça commence toujours très mal quand c'est comme ça. Dans le grenier. Très mauvaise idée. J'ai trouvé la preuve ADN. Ah, t'as quoi à prendre en photo et tout. Oui. Oh, nice. C'est moi, je viens pas sans matériel. Eh bah moi non plus. Si t'as des problèmes avec le matériel, parle-en à Bernard. Moi j'en parle plutôt avec ceux qui sont riches, hein, Ravé. Je vois pas de qui tu parles. J'ai entendu parler, alors j'ai vu le Trello hein, de Phasmophobia. Apparemment, le développeur est en train de développer une application d'ISF sur ceux qui sont trop riches dans le jeu. Ah, donc ça ne me concerne pas, bien évidemment. 5. EMF 5, très bien. Ah non, 5 de quoi? 5 doigts sur chacune de mes mains. Ah, d'accord, ok. Et peut-être aussi 5 en EMF. Ah oui. Empreinte, là ici. Là ici, empreinte. Empreinte à prendre, yeah. Charcot. Ouais. Empreinte. Parfait. Sur interrupteur. Oh. Après j'ai plus de photos. Banshee ou revenons? Alors, empreinte sur si mon torse. Salut! Attends! Bouge pas! Oh, salut! Non. Salut, non. 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 Du coup, t'as pas pris la Ouija? Je comprends pas. Ouais, moi en plus, je comprends pas. Non, mais parce que j'ai vu que c'était une Banshee en revenant, donc dans le doute, j'ai préféré sortir. Oh, c'est ça parce qu'elle est amoureuse. C'est ça parce qu'il court vite? Non mais la Banshee et le revenant, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais, tout à l'heure, ouais, j'ai eu un revenant sous la forme d'un bébé à quatre pattes que tu voyais pas se déplacer. Oh. Ah oui. Ah non, mais les bébés, c'est une horreur. Hein. Ouais. Moi, les petits, c'est une horreur. Non mais en vrai, c'est vrai. Le revenant, c'est une horreur parce que ça te démonte et la Banshee, ça rend focus un de nous trois. C'est sûrement toi. C'est sûrement toi. Je vais regarder ma santé mentale. C'est sûr. C'est probablement toi. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, ça a l'air d'aller. Ah, attends, du coup, Banshee ou revenant. Attends, je vais regarder ce qui nous manque. Non, mais non, mais j'ai mis l'orbe et tout, machin. Ouais, ok. J'y retourne. Je vais faire le travail. Moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, vous entendez? Vous entendez? J'ai peur de rien!
$10 de ravi t'accompagne. Eh, on s'en fout de l'orbe. Y'a ni l'un ni l'autre sur la Banshee hein. J'ai pris le... C'est soit... Hein. J'ai pris le cahier. Bernard. Oui, on j'ai pris le cahier. On s'en fout de l'orbe. Ah, ok, Nick. Ouais. Donc il lui faut... Il a écrit déjà, non? Non, non. Ok, il faut l'écriture ou la température? Je pense l'écriture, je pense que ça sera... Écris dans le livre, s'il te plaît. Écris les quatre... Écris les quatre derniers chiffres du compte en banque de Gisèle. C'est privé, ces choses-là, d'accord? Oui, c'est pas ce que tu disais hier soir. Hein. Écrit dans le livre. Écrit dans le livre. Elle s'appelle Lisa Thompson, si jamais ça peut aider. Ça m'aide pas du tout. C'est, ça m'aide à l'envers, tu vois. On sait jamais. Il y a marqué Bernard doit avoir un événement paranormal. Ah, t'es sûr qu'il a écrit ça? Ah oui. T'es sûr, parce que le B, il se confond souvent avec une autre lettre. Ah non, 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 là, c'est un B comme d'habitude. C'est toujours toi qui te confonds le A, machin, truc avec machin, c'est B, ah, pardon, Bernard. C'est, parce que l'alphabet cyrillique, c'est pas la même chose que l'alphabet... Ah oui, non, non, là, c'est vraiment ouais. L'alphabet... T'es sûr. C'est vraiment du bon français, c'est bien écrit Bernard. Ah. Écrit dans le livre. Donc si tu pouvais te dépêcher écrit un petit peu... Écrit dans le livre. 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 Peut-être. D'accord. Je suis Bernard. Je suis exactement la même personne et pas un esprit qui possède ton mari. J'ai peut-être un accent qui vient d'une autre époque, mais rien à voir. Oh là. Qu'est-ce qu'on peut attaquer? La bête va plus, hein. Je crois qu'elle a pas aimé ton accent. Hello. Tais-toi. Si je parle, je sais pas si je peux attirer le fantôme dans la pièce où il est, en vrai. Je préfère quand ça se passe dans ce sens-là, tu vois. Ah oui? Hein, Bernard, ça va ou pas? J'ai pas l'appareil photo. Mince. Je vous déteste. Je vous déteste. Ça y est, c'est Bernard. Bon. Je me suis inquiété pour toi depuis tout à l'heure. T'as l'air, ouais. J'ai eu très très peur pour toi, Bernard. Au revoir. On parle plus. Bon alors. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vous ai vu vachement inquiet de l'autre côté de la vitre, hein. Vachement inquiet.
ça qu'on est resté. On a voulu te supporter psychologiquement. Hein. Ouais, on sait pas qui supporte qui. Hein. Est-ce que ça a marché? Ah bah ça, je vais pas dire. Ça pour le coup. Bon, apparemment, il y a des textes. Hein. Vous avez vu pour la caméra, il y a des textes sur les pages. Parce que j'ai disposé le ah oui. manière très intelligente. Eh oui, c'est qui le boss du game? Ouais. Ah ouais, non, mais j'ai posé ça de manière très intelligente pendant que vous étiez en train de mater de l'autre côté de la vitre. Les masques tombent. Les masques tombent. J'aime bien la petite phrase de manière très intelligente. Tu vois le truc, le mec. J'avais pas de manière très intelligente, je dirais de manière très majestueuse, tu vois. Oh, il aurait pu mourir facilement quand même, c'était un revenant. Hein. Ah oui, le revenant est très très méchant. Hein. Très oui. très machin. Hein. Bon, du coup, il reste encore. Bernard, à boire un truc avec le machin. Mais t'es relou. Allez hop. Tu vois ? Ça c'est le signe de Jules là qui vient de dessiner là sur. Non mais en vrai, même pas. Attends, mais honnêtement, je pense pas qu'il faut y aller parce que le revenant il est pas gentil gentil. Ouais, je sais. Bah en revenant bébé. Ouais, gentil. Ah, très bien, on est déjà. Ouais, non, c'est bien. Je pense qu'on est bien là-dessus. Allez hop. Voilà, c'était rapide hein, pour la comme partie, ça va. Allez, salut.